Juliette Armanet, cette touchante raison pour laquelle elle aimerait un deuxième enfant. Samedi 7 octobre 2023, Juliette Armanet va se prendre au jeu des rencontres du papotin. Face aux journalistes, l'artiste va se confier beaucoup sur sa maternité et son désir d'avoir un second enfant. Un souhait impulsé par son propre fils. Authenticité, franchise et émotion. C'est probablement ces critères qui font le succès de l'émission Les Rencontres du Papotin, diffusée sur France 2. Pour sa première saison, débutée l'année passée, 3,4 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran en moyenne. Les invités ont fait face à des journalistes atypiques, jeunes porteurs de troubles du spectre autistique. Lors de l'épisode concocté avec le président Emmanuel Macron, 5 millions de téléspectateurs avaient répondu présents. Face au succès, l'émission a été reconduite pour un second volet. C'est Jonathan Cohen qui a inauguré la deuxième saison. Lui, qui est toujours à faire rire les autres et rire de lui-même, a endossé un rôle beaucoup plus sérieux. L'interprète de Marc a d'ailleurs tombé le masque lorsque les journalistes l'ont questionné sur son enfance de fils unique, élevé par une mère seule. Le premier épisode n'a pourtant pas fait l'unanimité auprès des internautes. Ils ont été gênés par un bug. Lors des premières secondes, le son était complètement saturé, ce qui a rendu l'intervention inaudible. Juliette Armanet, de nouveau maman? Après avoir vu les larmes d'Angèle et admiré la complicité de Julien Doré avec un journaliste, samedi 7 octobre 2023, une nouvelle invitée va faire son entrée. Il s'agit de la chanteuse Juliette Armanet, qui sera sur le petit écran à 20h30. Outre sa carrière, elle va énormément se confier sur sa vie personnelle et plus précisément sur sa vie de maman. En effet, Juliette Armanet est l'heureuse maman d'un petit garçon, prénommé Abel. Souhaite-t-elle en avoir d'autres? C'est la question que lui a posée Cathy. L'interprète de L'amour en solitaire a alors répondu. Dans l'absolu, je crois que j'aimerais bien avoir un autre enfant. Elle a d'ailleurs ajouté que ce qui motive ce désir, c'est la demande de son fils d'avoir un frère ou une sœur. Néanmoins, il y a un frein. Elle ne sait pas si son corps lui laissera en avoir un autre alors que le premier tenait déjà du miracle. Pendant longtemps, on m'a dit quand j'étais plus jeune que je n'aurais jamais d'enfant et c'est arrivé, a conclu la star de la chanson, qui n'est pas à l'abri d'un autre cadeau du ciel.